Coucou tout le monde, coucou Dragon. Ouais, bon réveil à tous, on se réveille tranquillement ce matin. Comment ça va? Bon, j'ai prévenu un peu à la dernière minute, mais bon. J'avais envie, d'habitude je démarre vers 10h, mais bon, j'étais prête alors. Bah écoute, ça va super, ça va très très bien. Bonjour Angie, bienvenue à toi. Ouais, du coup, ce matin, j'étais prête un peu avant l'heure, enfin un peu, 1 heure avant. Donc du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va le faire. Perso, j'avais envie de regarder un stream ce matin. Quand j'ai eu ton alerte, j'étais en mode trop contente. Bah, tu vois, ça tombe bien. J'aime bien faire des petits lives au matin, je trouve ça un peu détente, relaxant. J'avais envie de vous montrer la petite carte de Clara Markova. Je l'ai vachement avancée par rapport à hier. Voilà. Hier, j'avais fait que les petits biscuits, enfin que le biscuit en lui-même, j'avais pas encore fait les vêtements et tout. Du coup, hier après-midi, j'ai terminé donc de faire là les feuilles. Les vêtements, enfin le gâteau, enfin voilà, j'ai pas mal avancé, j'étais en train de faire le bonnet, mais bon, je me suis stoppée. Je sais pas s'il va être terminé aujourd'hui. Attendez, je baisse la musique dans mon casque, c'est trop fort, ça me perturbe. Ouais, du coup, je sais pas s'il va être terminé aujourd'hui parce que cet après-midi, je dois aller en course. Donc, j'ai que ce matin avec vous en live pour avancer sur mes colos. Mais bon, peut-être que ce soir, je pourrai le finir ou demain. Voilà. Mais j'aime trop cette petite carte. Elle est trop mignonne. C'est la première fois que je peux être là. Trop bien! Bah, il y a toujours les rediffusions, mais bon, c'est pas pareil. Des fois, on a envie de parler quand on regarde une rediffusion et on ne peut pas. C'est frustrant. Coucou Lorraine, comment ça va? Merci beaucoup, Dragon. Mais ouais, il est presque fini. C'est des petits détails en vrai qui restent, mais bon, ça aurait été hyper rapide. Et puis bon, il y a plein d'endroits où ça va être de la paillette. Le fond, ça va être principalement de l'aquarellable, je pense. Et puis voilà. Et par contre, j'ai pas avancé sur Luna. Donc Luna qu'on a continué hier. Voilà. Hier, on était en train de faire les vêtements. Du coup, on n'a pas avancé. Enfin, j'ai pas avancé hier après-midi. J'étais sur ma petite carte. Bonjour Amy, ça a l'air sympathique ici. Eh ben écoute, on essaye. Bienvenue à toi en tout cas. Ici, on fait beaucoup d'art-thérapie, que ce soit de la mise en couleur ou du diamond painting. Et puis, bah, des fois, on joue un petit peu aussi parce qu'on aime bien. Voilà, on fait un peu de tout, on aime bien. Du coup, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse ce matin. Je pense qu'on va faire un petit sondage. Parce que je ne sais pas si on essaie d'avancer la carte postale, si on essaie d'avancer Luna ou si on fait un peu de diamond painting. Donc, je vais vous laisser le choix. Je vais ouvrir un sondage. Alors. Sachant que le diamond painting, c'est la petite image qu'il y a juste en haut. Donc voilà. Voilà, petit sondage lancé pour savoir ce qu'on fait ce matin du coup. Est-ce qu'on fait les petits biscuits Luna Lovegood ou du diamond painting?
bien. On a envie de manger des petits personnages, ça ressemble à notre pain d'épices. Ouais, j'aime trop. En vrai, je me suis vachement prise au jeu là avec ces petites cartes, ces petits pains d'épices, enfin ces petits biscuits même. Et ouais. T'as envie des trois, ça pourrait être un concept, on change toutes les 5 minutes, mais pas facile niveau productivité. Bah, déjà que de base, dans un seul et même live, enfin bon, un seul et même live en général, mes lives ne durent pas moins de 2h, 2h30, et c'est déjà allé jusqu'à 5h30. Ouais, en général, je fais un peu tout dans mes lives, hein. Je fais un peu de colo, des fois un peu de DP, et on finit par du jeu. Ah, vous avez voté pour du diamond painting? Eh bah go, je vais tout installer. Allez, c'est parti, on fait un peu de DP. Au moins pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir découvrir un peu ce que c'est. C'est un loisir créatif également. Alors. Je mets une petite image de pause hein, le temps que j'installe mon petit bazar. Ça va me prendre 2 minutes, même pas. Hop, me revoilà. Alors, on va faire ça comme ça. Le focus. Ah non, il ne veut pas. Décidément. Attendez. Parce qu'en plus, comme ça brille partout, c'est pas toujours évident pour la cam. Voilà. Bah du coup, on va faire un peu de DP. En vrai, je suis contente que vous ayez choisi ça. C'est ce que je fais le moins en live, alors que j'adore ça. Attendez, j'arrive à faire un truc. Hop. Et voilà. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le diamond painting, c'est une toile sur laquelle il y a de la colle et sur laquelle on vient déposer des petits diamants. Alors attendez, je vais prendre de la bonne couleur, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Chaque diamant est représenté par des symboles que vous pouvez voir ici. Et du coup, on vient poser un à un tous les petits diamants sur le symbole correspondant à la bonne couleur. Et à la fin, ça va donner bah, du coup l'illustration juste ici. Voilà la petite hawaïenne avec son petit chien. Et c'est hyper relaxant comme... Mince, si j'enlève le film plastique, par contre, c'est mieux. Mais c'est hyper relaxant comme activité, tout comme la mise en couleur, j'adore ça. Et il y a un peu moins le côté prise de tête pour le choix des couleurs et tout. Je trouve que c'est des activités complémentaires.
Enfin, pour ma part, je trouve. C'est souvent que les personnes qui aiment la mise en couleur aiment également le DP et puis vice-versa. J'ai trop envie de tester un jour. Eh bah, je sais pas, Amy, si tu as ça à côté de chez toi, mais les magasins Action, ils font des petits DP. En ce moment, ils font des DP de Noël, je crois. Mais écoute, si jamais t'as envie de tester avec pour un petit budget, voilà, sans dépenser énormément, sache que là-bas, ils en font. Et apparemment, ils sont pas si mal que ça. Parce que là, moi, c'est une toile qui vient du site Diamondaire Club. Donc, c'est un site américain qui vient des... Ouais, c'est des États-Unis, je crois, Diamondaire Club. Et je vais pas mentir, les toiles sont assez onéreuses. Mais par contre, au niveau de la qualité, c'est la Rolls-Royce du diamond painting. Du coup, les diamants brillent de mille feux, comme tu peux voir. Ils sont très bien taillés. C'est rare qu'il y ait des diamants mal taillés. Mais par contre, voilà, les toiles sont assez chères. Et en plus, comme c'est un pays hors de l'Union européenne, eh bien, tu as des taxes supplémentaires qui s'appliquent. Après, moi... C'est vrai que maintenant je n'arrive que à faire leurs toiles à eux parce que la qualité est tellement dingue que maintenant j'ai du mal à retourner sur d'anciennes toiles que je m'étais achetées. Et puis en vrai, je mets pas mal de temps à faire une toile. Donc je me dis, bon, bah si je mets entre 40 et 60 euros pour une toile, eh bien si elle me dure 2 à 3 mois, honnêtement, c'est pas. Voilà, je peux me le permettre. C'est pas comme si que je faisais une toile tous les 15 jours. Mais par contre, c'est un tarif. Mais du coup, Amy, voilà, si t'as envie de tester, sache qu'à Action, ils font des DP. Et d'après les retours que j'ai eus jusqu'à mes oreilles, leur DP serait plutôt sympa à faire. Voilà. Donc si t'as envie de tester à petit prix avant de prendre d'autres toiles, voilà. Et puis par contre, ce qui est top chez Diamond Art Club, c'est que... Ils travaillent avec des artistes et donc ce sont des toiles licenciées. Donc les artistes touchent bah, les sous qui leur sont dus sur la toile. C'est pas des images volées. Et j'avoue que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. J'adore faire du colo et du DP moi aussi. Ouais, souvent ça va de pair. Bah c'est. Ces deux activités qui détendent, alors forcément, je pense qu'on y retrouve la même chose dans une activité comme dans l'autre. C'est toi qui retournes la toile comme quand tu colories ou c'est un bug de cam? Non, c'est moi qui la retourne Dragon. Parce que du coup là c'est plus simple pour la faire rentrer sur mon bureau. Sinon pour qu'elle soit à l'endroit je serais obligée d'enrouler et j'ai pas envie pour l'instant. Du coup voilà je la mets à l'envers. J'avoue que ça. Moi ça me dérange pas de voir les symboles à l'envers. Après, je peux essayer de vous retourner la caméra si jamais. Si vous, ça vous dérange, je peux essayer de vous retourner la caméra. Ah, parce que c'est des grandes toiles, hein. Celle-ci, elle fait 56 de large sur 71 cm de long. Donc, c'est des grandes toiles. J'ai un petit diamant qui a volé. C'est bon? Ceci jamais, ça peut se faire. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais tout est possible dans la mesure du réalisable.
Par contre, ce que je trouve trop satisfaisant chez Diamond Hair Club, c'est que quand on les pose en damier et qu'on comble ensuite les trous, là on entend tous les petits clac-clac. J'aime trop ce bruit quand on repose les diamants. Ah, attendez, j'ai ma caméra qui bug. Ça me l'avait fait, c'est la première fois où j'avais voulu faire du diamond painting parce que du coup ça brillait de trop. Donc voilà, je la rapproche un peu pour éviter que ça bug. Je suis désolée, hein, j'ai juste de voir que ça faisait ça. Parce que ouais, du coup ça brille tellement que ça en fait bugger ma caméra. Puis bon, je suppose également que tous les petits quadrillages, c'est pas facile à faire, du coup je suis obligée de la concentrer sur une toute petite zone. Là, ça a l'air mieux. Ça a plus l'air de bugger. Et vous faites quoi du coup? Vous vous réveillez tranquillement ou bien vous avez, comme moi, déjà attaqué vos petites activités, vos loisirs créatifs du week-end? Par contre, j'adore poser avec la pince. Maintenant, je pose plus avec le stylet. C'est extrêmement rare que je me serve du stylet. Alors, bah tiens, on va faire le V. Comme ça, moi, je vais finir les couleurs vertes par ici. Tu préfères les diamants des diamants carrés. Les clac-clac, c'est trop agréable. Ouais, les clac-clac, j'aime trop. Alors, je préfère les carrés, mais je fais également des ronds. Mais j'aime bien le carré pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que j'entends les clac-clac et je trouve que c'est un bruit qui me détend. Je sais pas pourquoi. Mais le fait d'entendre les carrés claquer entre eux, ça me détend, voilà. C'est très bizarre, mais c'est un effet relaxant chez moi. Voilà. Je sais pas si vous entendrez les petits clac-clac, mais... Et il y a également une autre raison. C'est que, comme je vous disais, bah maintenant j'essaie de prendre mes toiles chez DAC. Ou du moins chez des compagnies qui licencient les artistes. Et du coup, c'est un budget un peu plus onéreux. Enfin, je trouve que je prends plus mon temps sur des carrés, enfin, du moins, ça me prend plus de temps. Et du coup, j'ai l'impression bah, que mon argent est un peu plus rentabilisé niveau temps, temps mis sur la toile. Je sais que ça peut paraître très bizarre, mais en parlant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir cette réflexion. Mais j'aime bien aussi faire des ronds de temps en temps, voilà. De toute façon, quand j'achète chez DAC, bah du coup la forme du carré, enfin du diamant est imposée. C'est selon eux ce qu'ils ont prévu pour la toile. Hein. On n'a pas le choix, c'est soit du diamant, soit du carré. Chez eux, j'achète au coup de cœur de la toile. Hein. Je regarde pas les diamants, de quelle forme ils sont. Donc voilà. Mais ouais, je trouve que les carrés ont un petit effet bien, bien détente, un peu relaxant. Coucou Blandine! Personnellement, je fais un peu de dessin en regardant ton live. Oh, trop bien! Alors ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, dessiner. Vous ne verrez pas de live dessin chez moi. J'aimerais bien, hein, mais je ne sais pas dessiner et en fait, j'ai tellement de passion pour différents loisirs créatifs et tout que... Bah, je pourrais pas prendre le temps de me perfectionner là-dedans. Déjà, le colo prend énormément de temps.
puis encore tellement de choses que j'ai envie d'apprendre que c'est compliqué. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée, comme on dit. Ces mots, j'ai l'impression que ma caméra s'est encore déplacée, du coup ça vous a refait bugger un peu. C'est pas toujours évident, hein, les petits problèmes de caméra. Du coup, j'en profite pour me détendre un peu avec vous ce matin, comme cet après-midi, je vais en course. Moi, petit réveil avec le thé et mon coloriage calendrier de l'Avent maison, j'ai pris une ilu de Lulu Mayo avec plein de petits éléments et j'en colorie un par jour. Ah, un peu comme les personnes ont souvent fait avec l'illustration, je crois que c'est Rita Berman avec la petite guirlande où il y a un élément à colorier par jour. Je l'ai encore jamais fait cette ilu d'ailleurs. Et Blandine, t'en penses quoi là du coup des sorties de chez DAC sur Harry Potter? Je dois dire que je suis pas très emballée, alors que j'adore, mais je m'attendais à autre chose en fait. Et d'ailleurs, ça va mieux, Dragon? Tu te remets sur pied. Petit café tranquille. Je fais un peu de colo. Tu coloris quoi, Angie? Alors, là, pour les V, on est bon. Ouais, bah alors on croise les doigts, Dragon. Déjà, si t'arrives à reprendre tes crayons, etc., c'est cool. Parce que quand on n'a pas la tête à ça, c'est compliqué aussi. Parce que c'est bizarre à dire, hein, mais c'est... Enfin, on qualifie ça d'art-thérapie. Mais moi, je sais que quand il y a trop de choses qui m'embrouillent la tête, des problèmes personnels, je n'arrive pas à colorier, c'est impossible. Du coup, toutes les 5 minutes, je vais m'arrêter en pensant à telle chose. Ah oui, mais du coup, faut que je fasse ça, et puis il y a ça, puis il faut que je me débrouille pour arranger tel problème, et puis ça. Et du coup, je n'arrive pas à me concentrer. Ou alors, si je colorie, bah, ce que je fais, bah, c'est pas terrible, quoi. C'est pas à la hauteur de ce que je fais d'habitude. Du coup, ça me frustre. Gros coup de cœur sur la seconde et la dernière, trop chou. Alors, je suis d'accord avec toi.
La seconde, quand je l'ai vue, je l'ai adorée. Et quand j'ai vu le layout, je me suis dit, ah, est-ce que ça va bien ressortir comme il faut? Et la dernière, je la trouve mignonne, mais bah du coup, c'est que le fond, il est tout rose, quoi. Parce qu'il y a eu quatre sorties Harry Potter. Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Il y a eu quatre sorties Harry Potter. Il y a eu celle-ci, mais le layout, il est pas terrible. Hermione, elle a des gros joues, et puis Ron, on dirait un elfe de maison. Honnêtement, ça n'a trop rien à voir. Il y a ensuite celle-ci. Quand j'ai vu, je fais waouh, ouais, c'est trop beau et tout. Et quand j'ai vu le layout, je fais ah, est-ce que ça va rendre comme il faut? À la limite, s'il y en a une que je devrais acheter, ce serait celle-ci. Mais je ne sais pas. Après celle-ci, je crois que c'est celle-ci niveau layout, elle est bien. Mais bah du coup, c'est énormément de foncé. Donc, je ne pense pas que j'achèterai. Et enfin, il y a celle-ci. Celle-ci, elle est sortie, elle est pas mal mignonne. Le layout, il est bien. Mais par contre, le problème, c'est que bah, le fond, quoi. Ça va être une seule et même couleur à poser, ça va être un peu ennuyant, quoi. Enfin, je pense. C'est vrai que je m'attendais à autre chose, alors je sais pas trop. À la limite, ouais. Peut-être celle avec les quatre maisons. Mais j'ai envie d'attendre de voir ce que ça donne en fait une fois diamanté. Voir si ça rend bien ou pas. Ce serait la seule, je pense, que je serais susceptible d'acheter. Dory dans le carré Babies. Oh, trop mignon! Je les veux absolument, mais je peux pas ce mois-ci. J'espère qu'elles seront pas discontinuées. J'espère, Blandine, ouais. Toi, avec Harry Potter que j'ai vue ce matin est mignonne. Ouais, elle est mignonne, mais voilà, comme tu dis, c'est très uniforme au niveau du fond. Peut-être, tu sais, s'il y avait eu un petit fond bokeh ou quelque chose comme ça serait peut-être mieux passé, mais là, tu te dis, ah, pour tout le fond, ça va être la même couleur à poser de partout. Ça va être que du bloc. Alors, j'aime bien le bloc, j'aime bien le confetti, mais j'aime bien un bon mélange des deux, en fait. Voilà, sur une même toile, j'aime bien avoir un peu des deux. Donc, je sais pas. Ouais, et puis, ouais, comme tu dis, celle des quatre maisons a beaucoup de noir. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas si je craquerai. Bah déjà, je ne sais pas quand sera la prochaine fois que je craquerai chez DAC. Mais ce ne sera pas dans mes priorités, en tout cas, je pense. On va faire ça. Hop, voilà, ça s'arrête ici. Et du coup, pour ceux qui colo,
Je crois que c'est demain que Bruno nous sort la première vidéo concernant les sorties Disney du mois de janvier, la présentation des livres. J'ai trop trop hâte de voir l'intérieur. Parce qu'il y a des sorties qui pourraient me faire craquer, je pense. Maintenant, à voir réellement l'intérieur, parce que voilà, avec les aperçus, des fois, ça représente pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des bouquins. C'est flou. Voilà. Je nous réserve les petits diamants AB pour la fin. Oh, ça m'agace. Attendez. Non, là, ça m'agace. La caméra, elle ne fait que de bugger. Je vais essayer de la rapprocher un peu plus. En fait, c'est quand il y a trop de petits carrés, etc. Là, ça fait trop d'informations pour elle et ça l'a fait bugger. Du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire des lives d'épée. Obligé de vous rapprocher un maximum. Vous allez avoir la caméra sur la toile tout à l'heure. Et puis maintenant j'ai plus le focus. Mais tout va bien, c'est pas grave, on se réveille tranquillement, elle aussi. Elle aussi, la caméra se réveille tranquillement. Mais ouais, le format grand carré, j'aime bien. Et puis le format bloc. Les mini blocs, je suis pas fan, c'est de la réédition. Et puis le papier est pas fou. J'en avais un et je l'ai revendu. Enfin, non, je l'ai même pas revendu, j'ai donné à ma nièce. C'était le mini carré, enfin le mini bloc princesse. Je lui ai donné parce que j'aimais pas le papier et je me suis racheté en grand format. Ah, on n'a plus de musique. Je ne savais pas que le papier des mini-blocs n'était pas terrible. J'avais bien envie de prendre le portrait. Ouais, bah beaucoup, je pense, vont vouloir prendre le portrait parce que beaucoup aiment bien le bloc portrait, mais par contre, l'effet grande zone fait peur. Alors, à moins qu'ils aient changé, hein, peut-être leur papier. Mais moi, en tout cas, quand j'avais pris le mini-bloc princesse, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être un an et demi de ça, bah le papier était vraiment naze. Hein. Tu pouvais pas faire grand chose dessus, donc voilà. Les crayons de couleur, bah du coup la pigmentation ressortait pas comme il fallait.
J'avais l'impression en fait de colorier sur du papier d'imprimante 80 grammes quoi. Vraiment. Ou du papier recyclé, enfin j'en sais rien, mais c'était pas terrible quoi. D'ailleurs, le bloc portrait, c'est le seul livre que j'ai fini pour l'instant. J'en suis trop contente. Ouais, c'est les grandes zones qui te font peur. Bah, je pense à un coup de main à prendre. Je te dis, moi, je l'ai fini le bloc portrait. Honnêtement, c'était mon bloc chouchou. Merci beaucoup, Blandine. Là maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avancer et finir le bloc Girl Power. Petit bloc oublié. Mais bon, vous me connaissez, moi j'aime bien les livres oubliés de tout le monde. Fois c'est hyper dur de finir un livre, en vrai faut vraiment s'y tenir. Et ben tu sais quoi, en vrai pour moi le bloc portrait ça a pas été si dur que ça, parce que le bloc portrait c'est pas, enfin si t'as une thématique c'est les portraits, mais comment dire, c'est pas des colos répétitifs, hein, je veux dire c'est pas par exemple un tamis vert ou des choses comme ça. Et du coup ça faisait que c'était plein de colos variés à l'intérieur. Et en plus, hors panne colo, là j'en sors actuellement hein, de cette panne colo vraiment, mais hors panne colo, je colorie entre 5 et 10 colos par mois. Et du coup, il y avait des mois où j'avais envie de colo que dans mon bloc portrait parce qu'il y avait plein de trucs qui m'inspiraient. Et des fois où j'en faisais un ou deux par mois et puis voilà, c'est tout. Mais je me forçais pas à aller dedans. C'était comme c'était tellement de colos variés, j'avais pas l'impression de rester dans le même bouquin. Et en plus, arrivé à un stade, t'as le stade où tu fais oh, ça y est, je suis arrivée à la moitié du bloc. Après, t'as le stade où tu te dis oh, plus que 20 colos, plus que 10, plus que 5. Et du coup, à la fin, t'es tellement motivée que t'as envie de continuer à aller dedans, tu n'as envie de faire que ce livre-là. Franchement, c'est hyper motivant. Puis là, voilà, j'ai décidé de me concentrer sur le bloc Girl Power parce que je trouve que c'est enfin, c'est un ancien bloc, mais enfin, un beau bloc. Et un beau bloc oublié. Et moi, j'aime bien quand je vois pas les colos des autres. En masse, du moins. J'aime bien voir le colo des autres, mais pas en masse. Et au moins, ça laisse libre cours à mon imagination. C'est à quelle heure les sorties d'actes pour que je vois les prix quand même au cas où quelqu'un manque d'idées pour Noël? C'est pas 18h ou 18h30, Blandine? Je crois, hein, je crois que c'est le soir.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai fini deux livres, un petit, un mandala, et après, j'ai le Chibi Girl qui me... Il me reste trois coloriages dedans, mais dès que j'en ai fait trois quarts... trois quarts... Oui, les trois quarts, je crois. Je fais une overdose. Ah ouais? Après, peut-être parce que c'est des styles, du coup, qui se ressemblent. Mais c'est vrai que, du moins, avec le bloc portrait, j'ai pas eu cette sensation-là, comme c'est très varié, mine de rien. Mon mystère tome 1, je suis à 54%, j'ai envie de faire que du mystère. Ah, moi je suis bientôt à la moitié, je crois que je suis dans les 45, un truc comme ça. Mais bon, j'avais pour objectif d'arriver à la moitié pour cette fin d'année, mais j'ai pas envie de faire du colo comme je sors de ma panne coloriage et que j'avais fait pas mal de mystères pendant cette panne. Et bah là j'ai envie de faire des colos plus standards. Ah, nous arrivons à la fameuse chanson que je n'aime pas. Voilà. Mais là, pour changer, j'ai sélectionné un portrait de Balou dans le petit carré portrait. Ah, bien! Il me tente... Enfin, je l'ai le carré portrait. Mais j'ai pas encore commencé à colorier dedans parce que bah, je me concentre dans le bébé animaux. Je sais, c'est bête. Ok, je suis en émeraude, j'ai pas reçu de points avec mon achat, je sais pas pourquoi. Ah ouais? C'est bizarre. Tu peux leur envoyer un mail sinon, Blandine. Contacte-les pour savoir pourquoi. C'est bon, comme tes points, ça peut te faire des bons d'achat. C'est toujours bon à prendre. Le livre que j'ai bien envie d'avancer, c'est mon Sagor Oxagner, car à chaque fois que j'ai une panne colo, c'est vers lui que j'ai envie d'aller. Eh bah fonce! Fonce, dragon! Pareil, mes deux dernières toiles s'ajoutaient pas de points non plus. Ah ouais? Bah c'est bizarre. Ils ont pas ajouté des points pendant le Black Friday? C'était des commandes de Black Friday ou pas? Je sais pas, moi j'ai pas commandé, alors je sais pas, je peux pas vous dire moi ce que ça m'a fait. J'ai rien acheté. J'ai été sage. Coucou Xaxa, comment ça va?
Hop. Je vais les contacter pour demander du coup que je trouve pas l'historique des points que j'ai, c'est du partage en réseau, etc. Donc là, 90 euros, ça fait quand même quelques points. Bah oui. Effectivement, Blandine. Oh, pour l'instant, j'ai pas énormément de points. Je crois qu'avec les points que j'ai, je peux avoir 10 euros de remise. Mais bon, je vais les laisser de côté mes points pour essayer d'avoir de cumuler pour pouvoir avoir les 100, le bon de 100 euros. Comme ça, si jamais un jour j'ai envie de craquer mais que je peux pas forcément me le permettre, et ben au moins je pourrais me passer une belle petite commande avec les points que j'ai en stock. Ce bon là, dans le coup, j'ai plus que deux DAC en stock, c'est tout. J'ai que ça. J'ai que ça. Mais bon, ça m'affole pas, hein, vous voyez, au rythme auquel j'avance. C'est pour ça, je vous dis, la dernière toile que j'ai fait, à peu près, un petit peu plus grande que celle-ci, j'avais mis entre à peu près 2 mois et demi, 3 mois à la faire. Mais j'étais tout le temps dessus. Alors que là, c'est pas le cas pour celle-ci. Comme je me suis remise au colo. Donc bon, ça ne m'affole pas. J'ai très envie d'avancer dans mes Lulu Maillot aussi car elle sort que des livres qui me plaisent en ce moment. Du coup, je craque, mais là j'en ai 4 d'elle du coup. Ah oui, et puis du coup, t'as peut-être des livres d'elle qui sont pas entamés. Moi, je sais que du coup, quand j'ai plusieurs livres d'un même illustrateur non entamé, bah du coup, j'ai envie d'essayer de me concentrer au moins sur un. Essayer de l'avancer un peu, quoi. Coucou Nabaya, comment ça va? Bah écoute, Zagza, ça va super. Ça fait super plaisir de pouvoir me réveiller tranquillou devant tes lives. Oh, merci! C'est gentil. Coucou, un petit DP aussi devant le live. J'ai aussi une panne colo, du coup en attendant je fais du DP, je joue Animal Crossing et j'ai la Fimo. Et bah voilà, moi c'est pareil, du coup je faisais du DP pendant ma panne colo. Mais bon là j'en sors de ma panne colo, mais bon, j'ai envie de faire un peu de DP. Enfin vous avez choisi qu'on fasse du DP ce matin. Je vous avais fait le petit sondage. Ça va, j'ai que celui qui est sorti en novembre que j'ai pas commencé, mais j'ai tellement envie de colo de Noël que les petites sorcières me donnent moins envie pour l'instant. Bah oui, forcément. Je dois faire mes devoirs, mais j'avoue que faire une frise chronologique sur le design, ça m'inspire pas. Allez, Amy, on se motive. Hop. Je te mets des petits emotes. Motive-toi. Dis-toi qu'au moins, quand c'est fait, t'es tranquille. Ce qui est fait n'est plus à faire. Je sais que quand j'étais encore à l'école, j'essayais de faire le max de devoirs. Des fois, vous savez, on a juste des petits devoirs pas très longs à faire, mais plein de petits à droite à gauche. Du coup, je faisais tout cela le vendredi soir et puis le samedi matin, je faisais tous les trucs chiants.
et long. Oula, excusez-moi, je vous ai frappé violemment à coup de pince. Je m'excuse. Là, du coup, c'est bon. Assis sur l'appli, j'ai mes points, mais pas sur le site, c'est fou ça. Ah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Merci beaucoup, ouais, je l'aime trop ce petit DP. Il vient de chez DAC. Un petit DP de chez DAC. Ah mince! Attendez, j'avais encore des petites vaguelettes là par là. Alors dans ces cas-là, c'est à ça que me sert mon stylet. Méthode de la flemme pour pouvoir attraper des diamants quand j'en oubliais 2-3. Merci beaucoup pour ton follow, Sandra. Merci. Bienvenue. Méthode de la flemme. Merci, Amy. C'est gentil. Merci beaucoup pour tous vos follows. Rassurez-moi, je suis pas la seule à faire ça quand même, à piocher avec mon stylet dans le pot là quand il m'en manque 2-3, que j'ai zappé et que j'ai la flemme. Voilà. Mais une fois qu'un truc est fait, j'ai autre chose à faire. Je suis dans une spécialité avec beaucoup de travail. Bah justement, Amy, allez, hop, on se motive. Je te dis, je te mets des cœurs, allez, on se motive. du coup, c'est les A. Alors, il y en a pas mal. Oups, j'avais oublié de follow. Bah alors. Je sais pas si on va pardonner ça, Amy, hein, franchement. Impardonnable. Non, en vrai, c'est pratique si vous voulez avoir les notifications. Quand Twitch veut bien. Et sinon, c'est sur Insta que je vous préviens. Puis bon, ça fait toujours plaisir. Oh, des petits cœurs! Oui, Amy. C'est des petites emotes. D'ailleurs, petites emotes qui ne sont pas définitives. Juliette, l'empreinte de Juliette, qui est graphiste, elle va me refaire des emotes. Donc, celle-ci, c'est les emotes pour les subs. C'est les emotes provisoires. Parce que, du coup, après, elle va me faire des petites emotes avec Pandora. Pandora, qui est mon chat. Et je lui ai dit à peu près ce que je voulais. Donc voilà, Pandora sera la petite mascotte et ce sera le chat que vous aurez en emote. J'ai trop hâte.
Non, moi aussi je pioche dans mes photos dans ces cas-là. Ça me rassure, Xaxa. Je disais mince, je suis la seule à faire ça. Oula. Ah bah mince alors. Quand ça veut pas, ça veut pas. Faut que je me motive à lever mes enfants, moi. Vas-y, Blondine. Bah dis donc, on va en avoir du AB. Les AB, là, c'est tous les numéros 2. Il y en a un certain nombre. Je suis de retour, je viens de finir les devoirs avec mon fils. Bon, bah une bonne chose de faite alors. Alors moi, je faisais tout le temps mes devoirs le plus tôt possible, un maximum le vendredi soir en rentrant et puis au samedi matin. Parce que mes parents, après, ils allaient tout le temps se promener. On allait faire les magasins et tout à chaque fois le samedi, à chaque fois on allait se promener. Et du coup, j'avais pas envie de louper ça. C'est que la maison est si calme quand ça dort. Oui, mais Blandine, faut les réveiller un jour, ces enfants. Je suis pareil avec mon fils, tout le plus vite possible, car le week-end on bouge beaucoup. Bah voilà, c'est ça, c'est que bah du coup, si tu fais pas tes devoirs avant, et bah tu te sens frustré parce que tu peux pas aller profiter. Et puis moi, si jamais il me restait encore des devoirs alors qu'on allait se promener, et bah je ne pensais qu'à ça. J'étais là, oh purée, il me reste encore ça, et puis ça à faire, et puis ça, et puis ça. Et puis en plus, moi j'allais à l'école en ville et j'habitais à la campagne. Du coup, j'allais souvent à l'étude ou à la médiathèque ou quoi pour attendre mon bus. Et du coup, j'en profitais de ces temps-là pour essayer d'avancer mes devoirs du week-end. Que des fois, il y a certains profs qui te donnent déjà des devoirs le mercredi pour la semaine prochaine ou quoi. Donc, tous ces devoirs-là, j'essayais de les faire le plus vite possible. Je profitais de tous ces temps-là que j'avais dans les transports. C'est bon, quand je terminais à 16h, je rentrais, il était 18h. Et quand je terminais à 5h, je rentrais, il était 19h. Donc, ça laissait pas beaucoup de temps à la maison pour faire les devoirs. Ah, là, il reste deux petits A.
Voilà. Et je crois que c'est tout. Oh, trop bien. J'aimais trop aller me promener. Bah d'ailleurs, moi, tu vois, cet après-midi, je vais aller faire mes courses, mais bon, je sais qu'en même temps, on va en profiter pour aller se promener à droite, à gauche. Ça va être bien sympa. À la période de Noël, c'est trop trop cool d'aller se promener comme ça dehors. Bon, même si ma mission principale est d'aller faire mes courses. Mais bon, je vais peut-être regarder en même temps pour les décos de Noël et tout. Déjà, faudrait que je regarde ce que j'ai vraiment en déco parce que je sais plus. Moi, d'une année à l'autre, je suis perdue. Et comme cette année, on veut acheter un vrai sapin qui va être bah, du coup beaucoup plus grand que l'artificiel qu'on mettait avant, va falloir qu'on rachète des décos. Peut-être regarder ça du coup cet après-midi en même temps qu'on va faire les courses. À la fac, je prenais le train, je les faisais sur les trajets aussi. Mais c'est ça, mais du coup, après, quand tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, bah, c'est de profiter, quoi. T'as pas envie de faire tes devoirs, c'est chiant. En plus, après, quand j'étais en BTS, il y avait des amis qui étaient en colocation juste à côté. Du coup, à cette période-là, bah, quand on avait des creux de 2 heures ou quoi, bah, on allait chez eux et puis on se mettait tous ensemble pour faire nos devoirs. Du coup, ça allait plus vite. Et c'était nickel. Les numéros 5. Moi, je suis en internat à la semaine, du coup, chaque mercredi après-midi, je vais à la bibliothèque. Bah oui, au moins, ça te permet de faire ce que t'as à faire, quoi. Nous, c'est week-end chill, on est tous les quatre malades, donc là j'aurais trop besoin de motivation pour bouger, donc on bouge pas. J'irai juste chercher les couches du dernier. Ouais, bah effectivement, quand c'est comme ça, oui, il vaut mieux rester au chaud, hein. Là-bas, il y a un 5. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire là, les petits symboles égales et ensuite il nous restera que du AB à poser. Attendez, parce que je viens de voir que j'avais des petits diamants qui étaient passés à côté.
Ouais, tu vas faire du DP, Angie. Là, on aura fait un rectangle hein, pour le coup. Parce que j'ai des coupes en carré, j'ai des coupes en rectangle. Oui, je sais, je suis bizarre, je ne fais pas comme tout le monde, mais on en aura fait un. Voilà. Ils sont trop beaux ces diamants AB. Regardez comment ça brille de fou. C'est trop joli. Du coup, là, c'est ça qu'on va poser. Oula, excusez-moi, je vous ai encore tapé. Trop de violence dans ce live. Ouais, j'aime trop les couleurs de ce DP. Et c'est ça que j'adore avec cette illustratrice. C'est les couleurs qui sont utilisées dans ces DP. C'est trop joli. J'en ai. Bah les trois que j'avais achetés chez DAC et les trois que. Les seuls trois que j'ai pour l'instant de cette compagnie et les trois seules toiles que j'ai réellement, c'est trois de cette illustratrice. Oui, beaucoup plus agréable à faire, je trouve. Ah oui. C'est pour ça que j'ai eu aussi un énorme coup de cœur sur ces toiles-là. Alors, je sais qu'elles ne sont pas du goût de tout le monde, mais bon, moi j'aime ça. Hop, je vais faire cela avant de les oublier. Cette illustratrice fait aussi des dragons avec des grands yeux, non? Oui. C'est Sheena Pike. Ouais, elle fait également des petits dragons. Pour ma part, moi, du coup, j'ai pris cette toile-là avec la petite hawaïenne. J'ai pris une toile avec un petit lapin, trop joli. Et une toile qui reprend le conte de Alice. C'est les trois toiles que j'ai, les trois soldats que j'ai. Les trois seules toiles tout court, même comme je vous disais. Parce que j'ai quelques toiles de chez AliExpress, mais j'ai plus tellement envie de les faire maintenant que j'ai goûté à cette qualité-là. Hop, donc je pense que je vais. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais voir. Mais ouais.
Ah, il n'est pas encore arrivé, Angie? Je suis impatiente, j'ai attendu le Black Friday pour l'acheter. Ben moi j'attendais de voir ce qu'ils faisaient au Black Friday, mais bon au final, comme ça tombe à la période du Papa Noël, et ben j'ai pas pu parce que voilà. Il y avait d'autres choses qui primaient pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a permis par contre de rajouter des nouvelles toiles dans ma wishlist. Puis bon bah ben, je craquerai un autre moment. Même si ça m'embête d'avoir loupé le. De acheter un offert et puis le 35%, mais bon, c'est pas grave. Maintenant là qu'on a fini ce rectangle, je pense qu'après on va passer un petit peu sur les Sims. Parce que le DP, j'aime bien ça, mais j'en fais pas trop longtemps parce que mon bureau est assez bas. Et du coup, j'ai pas envie de me faire de me déclencher des douleurs au cervical. Parce que quand je fais du. Autant quand je fais du colo, ça va, je suis pas non plus avachie sur mon colo. Mais alors par contre, quand je fais du DP, je suis totalement avachie dessus. Donc là, ça fait presque 1 heure et demie qu'on fait du DP. Donc je pense que. Voilà, on termine ce petit rectangle et puis on va passer sur les Sims. C'est toute autre chose. Mais au moins, voilà, ça ne me déclenchera pas de douleur. Le 2 acheter un enfer, je suis trop deg aussi. Ouais, Blandine. Mais en fait, on avait trop envie à chaque fois de savoir ce qu'il allait avoir après au niveau des offres. Et on se disait, mais attends, si ça se trouve, j'achète là, mais ce qu'il y a après, ça va être encore plus gros. Et du coup, on attendait, on attendait, on attendait. Puis bah voilà quoi. Dommage. Mais bon, dans tous les cas, j'aurais pas pu me le permettre dans l'instant T. Donc, sans regret pour moi en tout cas. Je vous mets sur l'image de pause, le temps que je range le DP. Et puis après, on continue sur les Sims.